On est content de revenir à l'école? Ouais. Bon, et toi aussi, tu es content? Bon, c'est bien. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais. Bien, tu poses tes affaires dans ce carré-là, puis on va monter tout à l'heure. Tu poses ton sac, tu enlèves ta veste, pour être décontracté. Et puis Fanny, tu l'appelleras pour qu'il aille se laver les mains. Merci. On va se laver les mains ici. Ah, celui-là de la main, tu as le savon qui est là. Tu veux mouiller tes mains avant, un petit coup? Ouais. Allez, vas-y, mouille tes mains. Voilà. Après, tu appuies sur la pompe. Tu sais comment on se lave les mains? Comment on l'a montré, hein? Bien dedans, bien dessus sur votre main, puis on fait tous les doigts. Ça marche? Tous les doigts, les uns après. Infirmière? Infirmière dans le... au CHU. Voilà, et l'infirmière au CHU. Donc les enfants qui ont des parents qui travaillent au CHU, eh ben, ils ont le droit de venir tous les jours. D'accord? On les garde tous les jours. Puis les enfants qui ont des parents qui font un autre travail que celui-là, ben, on peut les accueillir, mais un petit peu moins souvent que les autres. Pour nous, c'est deux fois dans la semaine. D'accord? Donc, ce matin, on est tous arrivés ben, un peu à la queue leu leu, puis on est rentrés un peu à la queue leu leu. C'est pas comme d'habitude où on arrive à l'école et on rentre directement. Alors, vous êtes venus à pied, mais vous pouvez continuer à venir en trottinette si vous voulez. Des petits jeux qu'on peut amener, peut-être vous l'avez vu sur le blog. On peut amener des petits jeux pour jouer tout seul dans la cour, parce qu'on ne peut plus jouer avec ses camarades, par exemple avec une balle, un ballon, etc. Voilà. Allez. Non, Eden, elle est là. Toi, tu te mets ici. Voilà. Après, c'est toi, ici, 9. Tu viens, d'accord? On va essayer de la garder toute la journée. Si après, il fait un peu frais à certains moments, on la ferme et on ouvre pendant la récréation quand on sera. D'accord? Le travail, il est là. Et ben, ce matin, vous savez que le lundi, on a notre petite dictée. Donc, on va faire notre dictée. Puis après, on travaillera sur la lecture, ensuite les maths, et cet après-midi, sur le son de la semaine qu'on va apprendre cette semaine.